Eh bien bonjour à tous, c'est Bouboule74 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Skyblock et je ne suis pas en compagnie d'Antoine mais en compagnie de Leech74, bonjour à toi. Salut. Donc Leech74 c'est également Brichet74 sauf qu'il a changé de pseudo. On est toujours sur Skyblock de Lifecraft et pourquoi ça a un peu changé, c'est parce que j'ai quitté l'IS d'Antoine. Parce que elle était pas très... Il était un peu sévère sur les constructions et tout, il voulait gaspiller de la dirt, du coup j'ai décidé de former une île avec... Brichet et un autre copain, pour l'instant on est déjà 3. Hein. Et voilà. Et je viens de perdre tout mon stuff. T'es sérieux? Donc voilà, je venais de couper un arbre, il y a un acacia qui vient de pousser, donc je vais aller le maltraiter. Non! Mais j'ai plus de bois moi! Et moi j'en ai besoin pour ma tour. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est quasiment exactement la même tour qu'avant. Un petit peu plus... je sais pas si elle est plus ou moins haute qu'avant. En tout cas, elle sera beaucoup plus haute par la suite. Donc aujourd'hui, ce sera pas une très longue vidéo, parce qu'après, j'ai 2-3 petits trucs à aller faire. Mais on va essayer... Bon, déjà, on va essayer de pas se fail comme ça pendant tout l'épisode, et on va essayer de se stuffer un petit peu. Voilà. Donc on ira un petit peu dans le Nether, histoire de tuer un Blaze, je pense. Et de faire un peu de popo de force. Et voilà. Et Leech, lui, est en train de construire sa petite maison en forme de champignon. Ouais. Donc pour vous présenter un petit peu l'île, il y a... Donc là, il y a la maison de Leech. Là, la future salle à mob. Là, ma maison. Là, il y a le début de la ferme. Hein. Voilà, elle est très moche, mais on s'en fout. D'ailleurs, je vais récolter les pastèques. On récolte tout tant qu'on y est. Moi, j'allais dans le Nether, je me stuffe un peu. Du coup, je vais prendre que les carottes pour aller dans le Nether. Tout le reste, je vais y poser dans... Merde, c'est le coffre du go, celui-là. Bah merci hein. J'ai tout mis dans ton coffre. Bon, on va prendre l'épée du coup. On va prendre la pioche et ce sera bon. On va prendre un peu de netherrack, hein, histoire de poser. Et on va y aller. Slash spawn. Voilà. Ah non, j'ai pris des pousses sur moi. Non, je vais pas prendre le risque de les perdre. On va les mettre dans le coffre. Pense à replanter Hugo. Hein. Voilà, donc on est une petite chaîne alimentaire d'organisation. J'ai toujours ma petite épée en pierre. Donc c'est par là-bas qu'il y a les... qu'il y a tout... Oh lui, il a l'air... Ouais, lui il me fait peur. Il croise les fers, mais bon, moi j'ai envie d'aller dans mon... Dans ton petit coin. Voilà, bon, pire une kill, mais j'ai rien sur moi, donc YOLO. D'accord. Tu sais ce qui m'est arrivé? Non. Je récolte les pastèques. Je veux aller sur le chemin d'à côté. Une pastèque pousse. Lol. Il se fait troller par des pastèques. Par contre, j'ai des pigmen. J'ai pas trop envie de qu'ils m'aggro parce que des fois, les pigmen, ils sont aggro. Donc... Comme lui. Ils sont gros? Non, ils sont aggro. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui c'est qui les aggro tout le temps, mais bon. Enfin, bon, bref. Pour l'instant, on est juste venu visiter un peu le Nether et tuer du Blaze aussi, surtout. On va manger une pastèque. J'espérais tuer beaucoup de Blaze parce qu'après, je vais me faire des petits alambics de déco. Parce que moi, je me sers des alambics pour la déco. Deux pastèques ont poussé en plus. Ouais, pas mal. Je sais pas pourquoi ça a été rebouché là. Hugo qui chante au calme. C'est un peu de ma faute s'il se met à chanter, mais bon. Oui, tu me mets cette chanson dans la tête. Là. Oh, il y a de la lave. Lol. Mais attends, ça veut dire que si personne n'est venu là, il y aura peut-être des... Non, t'es dans le Nether, il y a de la lave. Oh. Et oui, il y a de la lave dans le Nether. Mais c'est génial. Donc j'espère que ça ne dérange pas trop tout le monde le reboot qu'il y a eu. Hein. Enfin bon, je suppose que ça dérangera personne à part Antoine. Mais bon, on est bien, on est posé. Idon. Bon, il y a un peu de travaux à côté de chez moi, je suis désolée. Marqué quoi sur ton clavier? Qu'est-ce qu'il dit que j'ai marqué quelque chose? Tu le verras pendant la vidéo. Comme tu faisais avec Antoine. Oui. C'est
c'est la surprise. Non, pour l'instant, j'ai rien marqué d'intéressant. Ouais, bon, y a rien d'intéressant. J'essaie de tuer des Blaze, mais bon. J'ai rien sur moi, donc voilà. En fait, ce que j'aimais pas avec Antoine, c'est qu'il prenait trop de risques. Moi, je me cache, j'ai vu un mec. Putain, merde. Cul de sac. Ok, il était là-bas. Moi, je me casse par là. Discrétion, les amis, discrétion. Pour être plus discret, faudrait se mettre en sneak, mais bon. J'ai la flemme de me mettre en sneak. Du coup, je cherche des nether. Des blazes, je veux dire. J'allais dire des nether trucs, mais c'est des blazes, quoi. Des orac. Non, les nether orac, n'importe où, j'en ai pas besoin. Je surveille que le mec, il m'attaque pas par derrière, hein. Ah, il y a un coffre. Je pense qu'il a été déjà pris, mais on regarde quand même. Hein. Il a l'air d'avoir eu un reset. Ouais, il a déjà été pris. Il a l'air d'avoir eu un reset des coffres, donc... Enfin, de la forteresse, du moins. Ouah, un bout de forteresse immergé. Ouais, non. Il y a rien. Quoique... Ah, là, il y a un truc. Mais il y a un pigman aussi, donc... Ouais, je sais, c'était un peu YOLO ce que je viens de faire, mais bon. Avec le blé, je fais du pain. Et j'ai cru au début que tu disais avec le pain, je fais du blé. Ah, il y a un acacia qui a poussé. Alors, blé. Hop. 7 pains. Tu n'entends rien, Hugo. Tu viens de marquer un truc. Non. Qu'est-ce qui te fait penser ça, sérieux? Le bruit de ton clavier. Il fait pas de bruit, mon clavier. Il est tout silencieux. Il est silencieux comme tout, mon clavier. Mais bien sûr. On va te croire, Kylian. Bah oui, les abonnés, ils meurent grave. Mais il y a plein d'acacias qui viennent de pousser. Bah, des couplets. Au cutter. Bah, tu croyais que j'allais faire quoi? Oh, il y a quoi là? Non, il y a pas. Je lag un petit peu. Oh putain, il y a un pigman. Il va t'aggro. Non, c'est bon, nickel. Je l'ai contenu. Ah, il y a Romain. Ah, ok. Il y a Romsies. Il passe à la télé. Dis-lui, tu passes à la télé. Non, c'est pas vrai, en fait. Ah. Je sais pas, mais il y a le coffre à côté de moi qui est ouvert. Bon, je reviens avec pas grand-chose. Hein. Ah, mais c'est toi. Ouais, moi, et tout le coffre, là, il est ouvert. Ah. Ils ont un petit stuff, hein. Calme. Je coupe les acacias. Hein. Ah, ils se sont mariés entre eux. Bon, du coup, laisse, hein. On va peut-être aller se faire un MK8. Peut-être, sauf si je suis... Kylian. Pour vous expliquer, il faut qu'on prenne une revanche, parce que si vous voulez, on a eu un concours, on a participé à un concours Mario Kart 8, tous les deux, pour gagner donc une 3DS. J'ai perdu contre lui en demi-finale, du coup j'ai envie de me venger. On gagnait pas une 3DS. Une 64. Une vieille console, très bien. Et du coup, voilà. Et je pense que la première fois qu'il y aura un truc comme ça, je vous la recorderai, hein. J'emporterai une petite GoPro, je vous recorderai les courses. Moi en train de gagner. Oui, Hugo en train de gagner parce que c'est un taré ce mec. Il finissait premier à toutes les courses. Il finissait les courses en marche arrière. Hein, qui t'a dit ça? Bah je l'ai vu. J'étais là quand tu as provoqué un arrêt cardiaque à toute l'assemblée, donc je me souviens. C'est chiant, la pierre elle brûle. Et voilà, j'ai terminé le toit de ma tour. On ira, tout en cœur. Là, on va se faire donc un petit. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire là. Donc, on va faire ça, après on s'arrêtera. Donc, il va me falloir un peu de bois de d'arc pour ça. On va le prendre comme ça, tout en demi-dalle. Ça nous fait deux stacks à peu près de demi-dalle. Donc, on va faire le dernier étage totalement en demi-dalle. Comme ça, ça nous fera ma petite ferme à mort personnelle pour le début. Ah oui, mais il me faut du chêne aussi. Donc c'est aussi en chêne noir. Ah non, ouais, bon, je vais quand même y faire en chêne noir.
Enchaîne noir. Non, l'étage, je vais pas le faire enchaîne noir. Enchaîne blanc. Ouais. Non, pas enchaîne blanc. Ça, je vais utiliser pour autre chose, le chêne noir. Vous inquiétez pas, il est pas perdu. Enfin, même si c'est un peu du gaspillage, ça regardera pour ce que je veux faire plus tard. Je vais me pour le pont. Pas besoin de ça. Ça lag un petit peu aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc on a fait pas beaucoup de quêtes, hein. On s'en sent pas sur les challenges, contrairement aux dernières fois. J'ai fait qu'un seul challenge, et je suis le seul à en avoir fait, je crois. Oui, moi j'en ai pas fait. Bah au passage, vu qu'on a deux stacks de melons, je vais en faire un. Si tu veux faire celui qui coûte deux stacks de melons. Oh, moi aussi je veux le faire. Oh, vas-y, il reste deux melons. Donc c'est pas steak, il faut deux stacks de melons, ça te rapporte 5 de terre. On fait comment déjà? Slash is? Slash c. Oui, slash c. Voilà, ça suffira peut-être. Dans quoi? Dans les challenges faciles. T'en as un, il s'appelle melon. Pas steak, pardon. Je ne respecte rien. Yeah. Donc après moi, pendant les autres épisodes, je m'attaquerai beaucoup. Il en faut 100. Il en faut 128. Ouais, il en faut 2 stacks. Bah j'en... Ah mais, il y en a encore dans le coffre. Ah, cool. Voilà. Je t'en ai laissé, je sais pas moi. Merde, je l'ai perdu. Elle. Bon, on ira les chercher après. Ok, nickel. Mais merde. Voilà, j'ai gagné de la slab. Ma slab. Non. Donnez-moi la slab, donnez-moi la slab. Putain. Eh mais c'est un truc de fou comment on fail les slabs. Voilà, donc je fais mon plancher en ça, ce sera mon premier étage, ça. Et là, beaucoup se disent, oh mon dieu, si l'étage est à cette taille-là, je me demande à quelle taille va être le dernier étage. Après, on fera un petit balcon. Un tout petit balcon. Oh mon dieu! Tu marques quoi encore? Allez, c'est moins drôle, avec Anton on pouvait tout marquer, il entendait rien. Ah, c'est pas drôle avec Hugo. On peut rien marquer, il fait mais tu marques quoi là? Mais tu marques quoi? Ah, il précise aussi que je suis très fort en jump. Oui, il a terminé tous les jumps de Lifecraft, il nous a rapporté un peu de stuff du coup. Un peu beaucoup. Oui, il nous a rapporté beaucoup. Non, je m'en suis rapporté à moi. Hein. Oui, surtout à lui. Je vais vous montrer ce qu'il a eu dans les jumps. Donc il a eu coffre privé de Leech. Allez, ouvre-toi, ouvre-toi. Bon, d'accord, il veut pas s'ouvrir. Donc il a eu des lingots, de la bonne mille, de la grâce et de la grâce. Et des os. C'est un truc de fou. Les coffres, ils bug. Quand on les ouvre, ils se ferment. Et quand on les ferme, ils s'ouvrent. J'avoue. Allô. Pourquoi je suis en train de casser ça, moi? Allô. Capitaine Pigeon. Allô. Capitaine Pigeon. C'est juste que ça bug. Allô? Tu m'entends? Oui. Bon, ça bug beaucoup là. Ah non, pas moi. Non, c'est bon, ça a débugué là. Je vais continuer avec Medellidal. Là voilà, on va l'installer là, donc ici, voilà. Là, on va sur un genre de demi-étage. Le demi-étage. Donc c'est un tout petit demi-étage qu'on va faire, hein. Rien de bien compliqué, qui sera pas donc entièrement fermé. Il va faire que une ou deux couches, je pense qu'il va faire que deux couches, et encore même pas, juste un petit peu à certains endroits dans une deuxième couche. Pendant ce temps, je sens qu'Hugo il va péter les plombs en m'entendant taper sur mon clavier. Il va demander, qu'est-ce que tu fais? Tu écris quoi? Qu'est-ce que tu écris? J'écris, j'aime les pastèques. Mais bien sûr. Ouais, voilà, on va faire pas comme ça. Voilà, je verrai sur ta vidéo. Voilà, tu verras là, comme tout le monde. Voilà, on va le faire comme ça, le demi-étage. Ah. Et vraiment désolé pour les bruits. Hein. C'est les travaux. Voilà. Ah, c'est un peu ça quoi. Voilà, donc ça va être un petit. Vous voyez le petit demi-étage là.
Sauf que là, on fait tout avec nos mains. C'était censé être drôle. Bah non, mais on n'a pas d'outils pour... Tu parlais de ça. Boum, Poupou cette 4 est actuellement suicidée. Elle était morte, t'as même pas fait slash. La blague d'Hugo a fait suicider le Poupoule. Il est vraiment désolé de ne pas vous proposer du contenu de qualité pour cet épisode, mais de toute façon, ces vidéos, c'est jamais de la qualité. Je suis en train de nous motoclasher, j'avoue. Et sur ce, je vous dis, je me suicide à Dieu. Non, sérieux, là, on va continuer un petit peu, on va installer un peu des coffres. Voilà, des coffres. Le demi-étage, ça va être un petit peu ma salle des coffres. De toute façon, on n'aura jamais énormément de trous de stuff. Moi, j'ai bientôt fini mon sol. Ouh, on va aller voir la maison de Lich avant de terminer. Bon, on va faire la salle des coffres, on va terminer le toit et après on arrêtera. Là, ça me paraît avoir été un bon épisode. Ils sont où les panneaux, voilà. Ouais, en fait j'étais en sneak, donc je comprends pourquoi. Bon, on a perdu un panneau. RIP le panneau. Et d'où? Et donc on va s'installer un petit coffre là. Hein. Voilà, on va mettre des coffres ici. Ici ça va être... je sais pas, on va mettre des coffres un peu partout, même s'ils sont remplis de rien. De rien. De toute façon après on fera une genre de... Je pensais faire une genre d'église avec une salle des coffres commune, hein. Je sais pas si tout le monde est d'accord. Je pense qu'on fera ça. Pas d'accord. Non, j'ai dit tu es d'accord. En fait, t'as pas le choix. Sinon, je te kick de l'île. Ah, ok. T'as compris? Non. Donc, je repropose le projet. Je propose de faire une église. Qui est pour? C'est bon, j'ai fini mon sol. On va venir voir ça. Je vais terminer mon truc et on viendra voir ta magnifique home. Qui n'est pas si magnifique. Lich, j'ai fait toujours des trucs magnifiques. Il y a Romsias? Oui, j'ai vu un. Moi aussi, j'ai vu un nom. Je suis vraiment désolé du bruit que ça fait. Il y a Romsias qui écho. Il écho. Et voilà, comment... j'ai terminé ma petite tower. Comment tu sais qu'il écho? Le tab. Ça existe. Tab. Bonjour, tu peux aller visiter ma maison, moi je vais aller visiter la tienne et je vais arrêter la vidéo là. Il y a tellement de noms. Oui, j'ai mis des coffres dans ma baraque et pourtant, il est là. Je mets tout dans mon coffre encore privé là, mais bon, on en le verra dans le prochain épisode. On va aller voir le sol de Lich et sa maison. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Bon bah, sur ce, je vais vous monter en haut de ma tour, l'éclairer un petit peu et vous dire dans le prochain épisode. Et t'as montré aussi l'agriculture? Ah oui, je vais leur faire visiter l'agriculture, allez, go! Donc en bas, vous avez les cultures de blé. Voilà, très très basique du blé, voilà. L'étage suivant, vous disposez des carottes. Poupoule 7, 4... Mais je vois pas, Romsias. Si vous montez encore d'un étage, vous aurez des pastèques. Puis, si vous avez de la chance et que vous montez au dernier étage, vous verrez ma culture d'arbre. Après, il y aura des trucs genre cactus, mais pour l'instant, on n'avait pas trop envie d'y aller, de s'y attaquer. Parce que... YOLO. Pastèque. Ah mais ça casse les pastèques, en fait, elles cassent des emplacements. Faudra qu'on recultive parce qu'il y en a un qui a été cassé. Ah, il y a des zombies qui spawnent. Oups. Où, en haut de ma tour? Non. Là, chez nous. Bon, il y a des squelettes en haut de ma tour, je vais aller m'en occuper. Bon, c'est le bordel, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, j'ai eu chasseur de monstres. Moi, j'allais le voir en haut de ma tour. Déjà, je crois qu'il y a des mobs qui spawnent de partout chez moi, mec. Moi, c'est une tour à mobs. Bah voilà. On a la tour à mob. Attends, je l'ai dit. Romsias, est-ce qu'il écho? Ah non, il a du déco. Je le vois plus là. Attends. Slash MSG. Non, il n'y est plus. Romsias. Bou. Bou, voilà. Non, il est pas connecté. Il s'est suivi. C'est déco. Allez, un squelette en moins. Au suivant. Et bon, bah sur ce, on va se mettre en F5. Attends, j'arrive. Vas-y, monte en haut de ma tour. Oui, je sais. Wow, le swag! Attends, je vais prendre un truc avant du coup.
Ah! Je suis tombée. De ma tour? Oui. Attends, genre... Non, je suis tombée dans le vide. Attendez, en fait. Je mets mon armure. J'arrive, mais... Oh, les vagues. Attendez, les gens, je mets mon armure, moi. Je lag tellement que je tombe. Je vais mettre mon armure, vous allez voir. On va bien s'éclater. Il y a quelqu'un... D'ailleurs, là, il y a une tour qui n'a pas été faite, mais bon. Allez, on va là. Viens là, Lich, viens là. Voilà, Sni, mets-toi un F1, F5 et tout. Décale-toi. Eh bien, voilà. Et sur ce, je vous dis à dans le prochain épisode. Bye tout le monde. Yalla.